Bonjour, je m'appelle Johan Lindholm et je suis étudiant ici à IES Aix-en-Provence depuis 4 mois. Et je suis ici avec Naïma. Bonjour Naïma. Bonjour Johan. Et qu'est-ce que c'est un cours FH, un cours de Brevet School? Alors, comme tu dois le savoir, un cours FH, c'est un cours qui dure 16 semaines pour l'automne et 18 semaines pour la session du printemps. Donc c'est un cours où il y a seulement des étudiants suédois. Et donc c'est un cours où l'on apprend la langue française, mais aussi la civilisation et la culture française. Qu'est-ce que tu attends d'un étudiant FH qui va passer 4 mois ici? Qu'est-ce que j'attends ou qu'est-ce que nous attendons, nous les professeurs, parce que je ne suis pas seule, je travaille avec d'autres professeurs. Ce que nous attendons, c'est vraiment ce qu'on appelle de la communication, c'est parler. Je sais que c'est un petit peu difficile pour les étudiants suédois, mais essayer de sortir de leur réserve, de leur timidité, aller vers l'autre, poser des questions aux professeurs, se poser des questions entre eux, c'est vraiment une implication. Et puis aussi une implication dans la classe, mais une implication dans la ville et dans les projets que nous faisons. Donc aller à la rencontre des étudiants, aller à la rencontre des associations, découvrir la ville et revenir pour en parler. D'accord. Et une dernière recommandation pour mieux apprendre le français? Alors, pour mieux progresser en français, c'est vraiment parler. Quand je dis parler, ça veut dire essayer de communiquer, essayer de poser des questions, essayer d'aller vers l'autre, être un petit peu curieux parce qu'ils sont à la découverte d'une langue et à la découverte d'une culture, à la découverte d'une ville. Donc progresser, pour moi, ça veut dire aller vers les autres, visiter la ville, regarder des films bien sûr aussi en français, mais avoir envie de connaître l'autre et on va apprendre la langue et on va pouvoir progresser. Chaque jour, on progresse un peu plus si on s'implique. D'accord. Merci Naïma. Et très bientôt en France ou en Suède, j'espère. Merci Johan pour ta participation à ce cours de l'automne. Voilà. Et j'espère à très bientôt à Aix. Oui. Au revoir. Au revoir.